Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Last of Us remasterisé. On en est donc à l'épisode 10, si ma mémoire est bonne. Donc on se reprend exactement où on s'était arrêté au précédent épisode. Ou pour résumer, avant de commencer, Joël voulait tout simplement se débarrasser d'Ellie envers Tommy et que Tommy l'emmène chez les Lucioles. Tommy finalement était à deux doigts de le faire. Et c'est là qu'on voit que Joël commence vraiment à s'attacher à cette gamine parce que bah, finalement il décide de lui l'emmener alors que c'était pas ce qu'il voulait faire à la base. Voilà. Donc allez, on va continuer. On va voir un petit peu ce qu'on doit faire dans le secteur. Je me rappelle plus de trop. Ces bâtiments ressemblent pas à un miroir. Bon, on va sur la place centrale. On devrait avoir un bon aperçu de plus. On peut descendre du cheval quand on veut aussi. Ça, c'est cool. C'était cool. Allez, c'est parti. Donc ici, on ne peut pas aller, hein. Ça doit être par là. Durillon. C'est ce que j'allais dire. J'imagine qu'il faut du monde pour une telle opération. Tu crois qu'il y aura des gens de mon âge? Je suis pas sûr. Lui, j'ai plus de balles. Ok, bah les deux, j'ai plus de cartouches. Donc ok, allez, on va commencer un petit peu par essayer de se refaire un peu de stock là. Ah, elle reste sur le cheval, elle. Ok. C'est parti. On dirait des poires. Reste avec le cheval. T'es sûr? Oui, je veux pas qu'il s'échappe. Je reviens tout de suite. Oh, coupe, fais Tommy. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Que vois-je? Regarde ce qu'il y a là. J'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup plus d'armes sur, sur ce The Last of Us comparé au 2. En fait, si, dans le 2, t'en as aussi pas mal, mais la différence, ça va être que si tu veux, tout simplement, tu en as autant, mais avec deux personnages, tu vois ce que je veux dire? Et là, vu que tu incarnes que Joël... Mais il est sérieux? C'est bon. Non. J'avais envie. Ah, cool. On va pouvoir le charger, le bazar. Ok. Et on va même pouvoir surcharger gentiment le fusil à pompe. Il y en a là-bas. Non, c'était Ellie, je crois, non? Oui, c'est Ellie, ça. Ok. On va pouvoir surcharger le shotgun au cas où. Donc ça, c'est cool aussi. Ah, on va le démarrer, le bordel. C'est parti. Hop là.
Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On peut redescendre, je vais quand même fouiller un peu, tu vois. Là, je peux sortir là? Ouais. Je peux sortir, mais il n'y a rien à faire ici, ok. Allez, on rentre. Donc ouais, je suis désolé, dans le précédent épisode, vous entendez un peu le climatiseur. Tu sais, je me disais, j'aurais voulu être astronaute. Mais bon. Sérieusement ? Ouais. Est-ce que tu t'imagines tout seul là-haut ? Ça aurait été cool. Ah, attends, il y a un truc à côté aussi. Je rêvais de devenir chanteur. Tu déconnes. Je suis sérieux. Chante un truc. Allez. Ah non. Allez, je rirai pas. Même pas en rêve. Joël, s'il te plaît. Saute. Tôt là. Oh, voilà. C'est des singes. Ouais, et il y en a un paquet. Ouf, ah ouais, effectivement. Donc je me suis renseigné de nouveau. Théoriquement, on est à peu près à 12 à 15 heures de jeu en fonction de comment vous jouez. Et vu que moi je suis quelqu'un qui joue assez lentement quand même. Ouais, c'est la première fois. Parce que j'aime bien explorer, tu vois. Ça se peut que ce soit un tout petit peu plus long. Hey, regarde, les lucioles. Allez, on va essayer la porte. Je peux descendre? Oui. Je reste avec du rayon. Je déteste ce monde. C'est ici. Ah, mais on n'est pas tellement loin. Y'a rien à faire. Toi aussi. Personne là. Ok. Des petits médicaments. Des petites pièces d'amélioration. Là, qu'est-ce qu'on a? Oh, la carte. Carte du campus. Ok. On va continuer gentiment. Hop, là on peut voir. Il y a quoi là-dedans? Des petits matériaux. Ok. Hop, voilà. Des petits médicaments. Journal d'un étudiant. Ok, ouais, bon, ça, j'ai pas envie de m'amuser à le lire. Ok, continuons. Putain, mais c'est qu'il y a des trucs à fouiller là. Ah, cool. Des balles, du bordel. Ok. De l'alcool. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ça, je vais prendre la vitesse de soin. Voilà. Ok, continuons. Ah. Ah, attends, j'ai vu un truc là. Fais-moi ça. Une flèche, deux flèches, trois flèches, parfait. On va peut-être pouvoir équiper l'arc. Si on peut tenter de se jouer un peu en mode... Tu sais quoi? Ah merde, j'ai pas de briques!
Celui-là, je l'ai eu. L'autre, je le vois pas. Tu vas crever! Mais qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai pas vu. Ouh. Ah, mais je croyais que, bon, en fait, à la base, moi, je croyais que c'était un... Je croyais que c'était un claqueur, moi, de base, tu vois. Voilà. Attends, là, il y en a un. Voilà. Si je résume, il reste que lui. Donc là, par contre, celui-là, on va lui faire la guerre. Oh là, je peux te le dire, on va lui faire la guerre. Il n'a pas connu le Vietnam, je vais lui faire connaître, moi. Il n'y avait pas une bouteille. Dans le secteur, là, j'ai cru. Après, je me trompe peut-être, mais... J'ai cru voir une bouteille. Ok. Cool. Ok. Recharge une fois le truc. Ok. On va prendre El Diablo. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je t'ai eu ? Ouais, ouais, c'est bon. Donc, pas besoin d'El Diablo pour le coup. Est-ce qu'il y en a encore ? Non, c'est bon, on a fait le ménage. On a bien géré. Bah, c'est cool, ça va nous permettre d'utiliser un peu nos matériaux. Ah, pendentif des lucioles. Donc là, je n'ai plus besoin de... Ah bah, elle était là, la bouteille, tu vois. J'ai pas fumé, hein, je l'ai bien... J'ai bien pensé qu'il y en avait une. Allons-y. Ouais, bah étant donné qu'ils sont tous morts maintenant, ça va y aller, hein. Hop. Ok, déjà, il n'y a plus de sport. Donc ça, c'est déjà cool. 3 balles. Ah tiens, je vais l'équiper pour le recharger, celui-là.
Ça fera pas de mal parce qu'il est quand même bien pratique ce revolver. Voilà. Des petits médicaments, ça c'est cool. J'ai vu quelque chose qui brillait là. Hop là, excusez-moi. Puis comme d'habitude, hein, faites comme à la maison, mettez-vous à l'aise. Je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui me regardent, dites-moi le dans les commentaires, mais moi quand je regarde un let's play de quelqu'un que j'aime bien regarder, j'ai toujours l'impression en fait que, bah, que c'est un peu mon Netflix à moi, tu vois. Hop là, là y a rien. Certains ils regardent donc des séries Netflix, tu vois. Moi personnellement non, moi je suis pas du tout télé. Quand je dis télé, maintenant si, quand je joue à la console, oui. Mais je veux dire, c'est rare que je regarde la télé. La seule fois que je regarde un peu la télé, c'est quand... quand je suis maintenant avec... quand maintenant je mange avec ma mère le soir, tu vois. Et puis, du coup, on mange ensemble. Alors elle met toujours un peu la télé, tu vois. Donc c'est le seul moment où clairement je regarde. Attends, je vais en profiter parce que je crois que lui, il est pas plein. Voilà. Voilà, moi j'aime bien savoir que tout est chargé. Voilà. Ah non, mais je... Il faut que je le... Qu'est-ce... Mais je peux pas le démarrer, ton bordel, là. Ah, il faut que je le mette... Il faut que je le foute, là. Non, il faut que je le branche. Ouais, il faut que je ramène le générateur, là, quoi. Ok, bon, on va le faire. Et c'est le seul moment où, on va dire, je regarde la télé, là, le temps de manger pendant 20 minutes, tu vois. Mais après, c'est vrai que c'est pas... C'est pas quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Moi, je suis pas trop trop. Ok. Je suis pas trop trop télé, machin. Pour entendre les conneries qui se passent, ça m'intéresse pas, tu vois. Pour moi, mon Netflix, hein, c'est con, mais c'est me regarder un let's play d'un youtubeur que j'aime bien. C'est des trucs comme ça, en fait. Dites-moi, vous, quel team vous êtes? Team télé, team YouTube? Bien. Essayons la porte. Ben voilà, ça c'est fait. Bonne chose de faite. Hop. C'est claqueur. C'était des lucioles, tu crois? Non. Non, je crois pas. Pourquoi il y a des infectés aussi près du labo? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais, c'est possible. Oh oui, tu m'étonnes. C'est totalement possible. Alors là, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. On part à la droite. Ok. Pas de garde. Allez. Rien du tout. Ouais. On va bien finir par croiser quelqu'un. Là, ce genre de tente, tu vois, c'est ce que j'allais dire. Ce genre de tente, là, ça sent le bon loot. Donc on va pas se gêner pour looter. Ah, hop. On va pas se gêner pour looter. Vite fait, bien fait. Tu connais ce genre d'endroit? Propre, rapide et efficace. Ouais. Non, en tout cas pas pour étudier. Pourquoi? Ah, cool. J'étais jeune quand Sarah est née. T'as été marié? Pendant un temps. Juste un temps? Exact. Bah dans la précédente vidéo, tu vois, on n'était pas bien niveau munitions. Bah, là, tu vois, ça se passe bien. C'est ça aussi un The Last of Us. Hein. Tu peux être équipé comme jamais. Attends, je vais aller voir là-bas. Tu peux être équipé comme jamais. Tu peux avoir du stuff de ouf et tout. Et il suffit d'un combat, d'un truc, et puis tu te retrouves à poil, quoi. Hop là. Tu vois tout ça, si tu run le jeu, tous ces trucs là, tu vois pas tout ça. Hop là. Bon, alors il faut qu'on y rentre dans le bazar. C'est où? C'est là-bas qu'il faut que je rentre, je présume. Bon, tu vois que ça a été quand même un peu... Mais il est où le cheval? Tu vois que ça a été là, tu vois que ça a été remasterisé, quoi. Et que c'est un jeu qui date de 2013, parce que tu vois là, je veux dire, t'as peut-être pas fait gaffe, mais la texture du bâtiment est à spawn à vraiment un instant, comme on dit. Oh. Là-bas, alors.
Hop, Fatami, tu vas me dire que je peux de nouveau pas rentrer par là. La porte, elle est verrouillée. Oh, Ellie, calme-toi. C'est tout rouillé. Faut trouver autre chose. Ou alors ouais. On passe par-dessus. Faut trouver autre chose. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Ici, rien. Ah, là, regarde. Doe Shine. Un container. Hop. Allez, c'est parti. Ah, mais du coup, si on passe par-dessus, rip le cheval, quoi. Ah bah voilà. Bon, c'est pas ce que j'avais en tête, mais pourquoi pas. Ok. Ensuite, il faut qu'on grimpe par le camion, je présume. Hop là. Bon bah adieu le cheval. Repose en paix. Il va se faire bouffer le bazar, tu vas y voir. Ok, on y est. Allez, donne-moi ta main. Et voilà. Merci. Jetons un coup d'œil. C'est toi qui donnes les ordres, ma petite Ellie, maintenant. Des munitions. Ça, c'est cool. D'après moi, ils sont pas encore là, ma petite Ellie. D'après moi, ils sont pas encore là. Ah, attends, j'ai vu un établi. Mais juste avant, je vais fouiller cette pièce. Cas où je trouve encore des... Des trucs, tu vois. Oh, j'avais même pas vu que je pouvais l'ouvrir, celui-là. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a pour nos armes? C'est parti. On en a 125. Le pistolet, d'accord. Et on a celui-là. El Diablo. Bon, celui-là, on peut rien faire pour le moment. Celui-là, on pourrait l'améliorer aussi. Moi, j'aimerais bien améliorer le fusil de chasse, tu vois, la perforation. La vitesse de rechargement, ça peut être sympa sur celui-là. Je vais lui mettre la vitesse de rechargement à l'arc. Voilà. Lui. Oh, je ferais bien la perforation. Hein. Voilà. Et il me reste 20. Alors, s'il y a quelque chose avec 20, celui-là. Le recul du shorty, ça peut être bien. Ou la vitesse de rechargement du... Oh tiens, celui-là, je m'en sers quand même plus souvent. Voilà. Ça tiendra. Ok, bah voilà, ça c'est bon. Maintenant, on a amélioré ça. Maintenant, l'arc, il sera plus rapide. C'est cool. On est parti, let's go. Hop, là, j'ai vu qu'il y a une porte qui s'ouvre. Donc, je... C'est discret tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Bah oui, ça serait mieux, Ellie. Putain, moi je suis capable de me paumer dans un truc comme ça, moi. Oh, t'es même le dieu. C'est. Ah, là il y a un truc. C'est immense. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Rien d'intéressant. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse.
Peut-être pas tous. T'éloigne pas. Qu'est-ce que je peux craft? C'est parti. On va monter. Là, de toute façon, c'est barré. Ok, c'est parti. On va ouvrir la porte là. Quoi, c'est toi qui l'ouvre la porte? Aucun cadavre. C'est bon signe, non? Ils sont allés. C'est sûr que c'est toujours meilleur signe qu'il n'y ait pas de cadavre que s'il y en avait, quoi, tu me diras. Ça, j'ai. Putain, mais c'est immense les endroits à fouiller là. Ouais, bon. C'est immense, mais là j'ai rien eu, donc voilà. Ok, là y'a quoi là? Encore une porte, encore une porte. Tiens, donne-moi ça. Et l'autre truc. Non, c'est plein, c'est pour ça. Ici, il n'y a rien. Je vais ouvrir cette porte-là. Qui me redonne ici. Ok, ok. Par contre, du coup, j'ai pas été là-bas. Tu vois, parce que ça, je l'avais vu. Des petits médicaments. Brique, c'est bon. Bah écoute, je crois qu'on n'est pas trop mal. Hein. Si peut-être celui-là s'ouvre. Ouais. Hop là, 10 pièces d'amélioration. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai quand même équipé celui-là au cas où. Là, pour le moment, je vois rien. Ah, c'était juste des singes. Ouais. Il y a des lucioles. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Ok. C'était une frayeur pour pas bien grand chose. Mais bon, généralement, on m'a toujours appris dans un The Last of Us. Magnétophone du laboratoire. Ok. C'est que quand c'est trop calme, c'est que ça pue la merde. Si tu vois ce que je veux dire. Ok, je suis plein en tout là. Pourquoi je peux pas refaire un explosif? Ah, j'ai pas assez de... Ok. Voilà. Tu sais où c'est? Ouais, je connais la ville. C'est loin?
C'est pas tout près. Enfin, à cheval. Quoi? Les lucioles? Baisse-toi! Pas vraiment des lucioles, hein. Putain, mais c'est qui ces types? Peu importe, on sait où aller. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. Putain, il m'a effrayé. Eh mais je t'ai mis un coup, non? Bon. Du coup, j'ai gâché une balle de ça pour rien. C'est pas grave. Continuons. Oh l'enculé. Ça c'est fait. Là. Oh. Attends, pousse, ouais. J'ai dit pouce. Bon, et à un moment donné, hein. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, on va sortir l'artillerie lourde. Si tu vois ce que je veux dire. Ok. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Mais laisse-moi tirer dessus. Ouh. C'était chaud. Laisse-moi recharger celui-là. Ok. Il faut qu'on sorte. T'es mort, fumier. Ah bon? Attends, les munitions d'abord. T'es où? Il est mort, l'autre? Putain, Ellie, tu l'as rincé, c'est bien. Ok. Oh, go, fuck. Aïe. Quoi?
Ah, ça, ça pue. Putain, qu'il arrive encore à marcher, mon vieux. Joël, tu... Ça va. Ça va. Tu gères la fenêtre? Ouais. Ok. Allez, bouge! Je vous vois. Merde. Reste ici. Je vais coincer ce connard. De toute façon, il peut pas trop bouger. Merde. C'est mes portes que t'as descendu, enfoiré. Sors de là. T'as envie de jouer au plus malin? Oui, il est pas dans une bonne posture, Joël, là. Oh, t'es marrante, Ellie, pour le coup. Tu t'en sors bien. Continue. Oh non. Tiens-toi à moi. Non. Tu peux marcher? Oui. Alors marche, merde. Allez. Voilà la sortie. Bon bah, ça c'est fait. Joël. Allez, lève-toi. Mets ton bras sur moi. Allez, on y va. Je te jure, si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson. Il pisse le sang, il est pas bien le type. Et ben voilà, ça c'est fait. Le pauvre, il s'est embroché, le type. Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! On arrive donc à l'hiver, d'accord. Et toi, tu vas finir en casse-dalle, d'après moi, non? Pour le coup, oui.
Ça durera pas très longtemps. Tu lui ferais peur. Ah oui, effectivement, ça je me rappelais qu'on incarnait Ellie à un moment donné, mais... T'as quoi comme arme? Juste ça? Te voilà. Je me rappelais qu'on incarnait Ellie, mais... Je me rappelais plus quand, pour être franc. Bah ça fait plaisir en tout cas. Là il est. C'est vrai que je me rappelais plus quand, mais ça fait plaisir. Donc les amis, j'ai fait une petite coupure. Je vous reprends. On va essayer. Ah, je le vois. On va donc chasser cette saloperie de cerf. Est-ce que je peux déjà le tuer ou... Putain, mais c'est quand il veut qu'il me fout la paix là. Suivons les traces. Wesh. Je crois que là la flèche elle était un peu elle était pas trop sur l'objectif hein, pour être franc. On va finir par l'avoir, hein, c'est pas le problème, mais... On va essayer de s'approcher un peu. Là. Maintenant, il a pris une flèche, théoriquement. Il devrait plus... aller bien loin. Avec le sang qui perd. Merde! Je l'ai pas vu. Très clairement, je l'ai pas vu là pour le coup. Te voilà. Mais c'est une blague! Commence à me saouler le cerf à la con là. Je vais t'envoyer Ruby, tu vas rien comprendre. On va y aller en mode discret. Cette fois-ci, mon vieux, tu repartiras pas. Ah, je l'ai touché, hein. Et là, je l'ai touché, hein. Je ne le vois pas. Le voilà.
Il est là. Putain, mes frères, il te faut combien de flèches, toi? Cette flèche-là, je te l'ai foutue en plein dans la tête. Hein. Il est parti, là. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est un CR de Tchernobyl, celui-là, mon vieux. Après, c'est peut-être prévu dans le script que tu peux que le tuer parce que cette zone on n'était pas, tu vois. À la base, je voulais juste chasser un cerf. Tout va bien. Et je vais me retrouver. Et je vais me retrouver dans la merde, je le sens. Yes. Bon, au bout d'un moment, il pouvait que être mort. Hein. Montrez-vous. Salut. On veut juste te parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants. Et on a tous très faim. Bien. On pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements. Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux... Le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles? Pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra.
Vous aviez une autre arme? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. On doit absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'ils le trouvent pas. Défends les fenêtres. Ok. Ton espoir chargé. Donne-moi le fusil. Tu plaisantais pas. T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Donne-moi un coup de main. Recharge. Non, je vais mourir. Bah c'était sûr. C'était sûr et certain. Ah j'ai un flingue mais j'ai pas de munitions, c'est génial. Un kit de soins, bon hop. Cool, merci. Ok. 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 Ok, j'ai plus de balles, rip. Du soin, cool. Ok. Vous savez où vous allez? J'ai jamais mis les pieds ici. Super. Belle trouvaille. La voie est libre. Par ici. Je suis là. Tu tiens le coup? Vous en faites pas. Ok. T'éloigne pas. Et fais attention. Hé, hey, petite, ça va bien? Ça va. Des claquettes. Sors de là. Non. Oups, tombé de rabot. Cours. Ok.
Ok, là il y a une échelle. Ça va? Vous êtes là. Allez, la porte est par là. On y était presque. On doit aller là-haut. Là, on peut utiliser cette échelle. Ouais, et comment je vais là-haut? Ok, par là peut-être? Attends, ça m'a encore l'air d'être compliqué cette histoire là. Suivons là-bas. Attends, mais je suis con ou... Attends, pour grimper là-haut, il peut pas me faire la courte échelle, l'autre, là? Ah, là. Hey, venez, soulevez-moi. T'es prête? Mm-hmm. Allez. Ok. Ici. Faut qu'on sorte ici. Ok. Non, sans blague. Surveille un peu ton bagage. Merde. On dirait que les derniers à les avoir affrontés ont perdu. Je cherchais justement ces personnes. Peu importe. Récupère leurs armes. Je vais chercher une sortie. Ok. Regarde si tu vois des choses utiles. Tu vois un truc? C'est un cul-de-sac. Comment ils s'y retrouveraient dans ce bâtiment? Qu'est-ce qu'on fait du coup? On les repousse. On n'a pas d'autre choix. Oui. Oh!
Aïe, aïe. Merde. Ok. On s'en sortira, petit. Ils arrivent. Ils sont combien au juste? J'en ai aucune idée. Allez, t'arrêtes pas. Ouais, bah oui, t'arrêtes pas, ouais. Allez! Recharge! Je vais crever. Soigne-toi. C'est bon, c'est fini? Ouais. Tu sais, je crois qu'on a réussi. On les a tous butés? On devrait plutôt être contents. J'ai du mal à y croire. Bah écoutez les amis, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Je sais, je vous coupe un peu la spoil et on se reprend pour le prochain épisode. C'était Alessa, merci d'avoir regardé. A bientôt les amis.